Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous prends pour une petite vidéo ménage, cuisine, enfin une journée avec moi, du moins. Ou une matinée, je ne sais pas si cet après-midi je pourrais vous prendre, mais du moins toute la matinée vous serez avec moi. Et je vous ai aussi filmé hier, le début de la vidéo, du coup ça aura été filmé hier. Et puis la suite aujourd'hui. Parce qu'hier j'ai fait du ménage, donc je vous l'ai filmé. J'étais en tenue décontractée, donc ne m'en tenez pas rigueur. Et aujourd'hui, je vous filme la suite. Aujourd'hui, je vais surtout... Excusez-moi. Surtout cuisiner. Cet après-midi, je vais faire les magasins avec une copine. Enfin, les magasins. Je vais au magasin de vêtements d'occasion pour les enfants. En fait, le magasin va malheureusement fermer. Donc, la gérante... bras de tout à 2 euros, donc on va aller y faire un tour, voir s'il y a des petites choses intéressantes pour les loulous. Ça serait bien que si je peux lui trouver quelques petites robes à ma fille pour cet été. Et ça va, je crois, jusqu'au... oui, celle-là, elle va jusqu'aux 12 ans. Cette boutique, c'est de la naissance à 12 ans. Et peut-être des petits shorts pour mon fils. Ça serait bien que j'en trouve quelques-uns. Des petits shorts pour cet été et puis peut-être des pulls pour l'hiver prochain, enfin des sweats. Je verrai, mais j'espère qu'il y a des trucs, qu'il reste des trucs surtout parce que ça fait déjà une semaine, je pense, qu'elle a passé l'annonce comme quoi elle bradait tout à 2 euros. Donc je sais pas s'il restera grand chose, on verra. Donc on verra ça cet après-midi. Et puis après, on va se faire un petit goûter. Du coup, là, c'est pour ça que ce matin, je vais faire. Les goûter. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous filmer la recette que je vous publierai dans une autre vidéo à part. Déjà, je vais faire un gâteau au yaourt, tout simple. Et je vais faire des petits croquants aux amandes. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous filmer la recette. Je ne sais pas. Je vais voir. Si j'ai le temps, ça serait cool. Si j'ai pas le temps, je vous la filmerai une autre fois. Voilà. Bon, allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, ben, pour commencer, je vais faire le ménage dans les toilettes, je vais faire mes toilettes. Et ensuite, je ferai ma salle de bain, la douche. Il faut que je fasse les carreaux, le carrelage dans la douche, parce qu'il y a déjà pas mal de tartre, donc il va falloir que je le fasse. Et puis, l'aspie et le sol. Donc voilà, je vous laisse avec les images.
j'ai mon premier gâteau qui est en train de cuire. Vous l'aurez vu, hein, un cake au yaourt, enfin au petit suisse. J'ai mis le reste de poudre d'amande qui me restait du moelleux au poire que j'avais fait. Voilà, c'était l'occasion d'utiliser le reste. Du coup, j'ai déjà fait la recette, enfin j'ai déjà fait les petits croquants aux amandes. J'ai pas pu vous filmer la recette parce que c'est vrai que c'est compliqué de faire deux vidéos en même temps, mais c'est pas grave, je la referai puis je vous la filmerai, hein. Donc voilà, là ça va cuire je pense pendant 1 heure parce que les cakes c'est quand même très très long à cuire. Et puis voilà. Du coup je vous ai même pas dit mais aujourd'hui on est mardi 12 mars. Voilà, j'ai complètement zappé de vous le dire en début de vidéo pour que vous puissiez vous situer un petit peu. Donc voilà. J'ai les croquants qui sont en train de cuire. Le cake au petit suisse est déjà cuit. Je l'ai démoulé. Voilà. Je mettrai du sucre glace pour que ça soit un petit peu plus joli. Voilà. Et puis quand ça sera complètement refroidi, juste avant de goûter, je couperai des tranches. Donc voilà, il a l'air bon. J'ai eu un petit souci au moment de démouler juste d'un côté parce que je me suis brûlée, du coup j'ai ripé le moule dessus et ça l'a un petit peu abîmé, mais bon c'est pas grave, j'essaie de recoller les morceaux vite fait. Bon là ça va le faire et puis avec du sucre glace on verra pas. Donc voilà, il me reste juste là à faire cuire les croquants. Après une fois que là ils seront cuits je les couperai. Puis je referai cuire encore. Voilà. Donc là, il est bientôt midi. On va manger. Bon, ça va être rapide. Je vais décongeler du pain. On va manger avec du fromage et du jambon. Et puis voilà. Ça sera très bien. Ce soir, je ferai un truc un peu mieux. Mais là, voilà. Bon, du coup, pour midi, je vais faire quand même des œufs au plat, donc un chacun, parce qu'on est 3 à manger à midi, moi, mon mari et ma fille. Mon fils, bon, le plus jeune, je ne lui donne pas d'œufs encore comme ça. Je les fais cuire dans ma poêle à crêpes, c'est mieux comme ça, au moins, il n'y a pas besoin de mettre de matière grasse, je préfère, c'est plus digeste, voilà. Parce que sinon, moi, quand c'est trop gras, je ne digère pas. Donc voilà, là, en arrière-plan, vous entendez mon loulou se faire les vocalises. Il chante. Donc voilà, ça va être du coup pain. Je vais aller le décongeler. Je mets au micro-ondes. Œuf, fromage. Vu que c'est de la protéine, je ne pense pas sortir de jambon. On verra bien. Donc voilà. Bon voilà du coup l'assiette, petit pain, l'œuf, alors ça colle pas du tout, c'est impressionnant, franchement c'est trop bien, les faire cuire dans la poêle à crêpes c'est le top. Bon moi je l'ai pas fait coulant l'œuf, je l'ai bien fait cuire, pour mon mari lui il est coulant son œuf, et franchement ça accroche pas du tout, petit chèvre avec du basilic dessus. Voilà, bon appétit. Et voilà mes petits croquants. On va se régaler. J'ai hâte de les goûter.
Bon, ben voilà, on a fini de manger, j'ai tout rangé. Mon loulou est à la sieste. Maintenant, je vais regarder un petit peu la télé. Il n'y a plus rien parce qu'en fait, il n'y a plus la petite maison dans la prairie, c'est fini. Du coup, ben, il n'y a plus grand-chose à regarder. Je regarde un petit peu Madame est servie et puis c'est tout. On avait trouvé une petite série sympa à regarder avec mon mari, mais on l'a fini, ça y est. C'était mince. Mince. Oh, le trou. C'était Speedy Hollow. Enfin, c'était un truc comme ça. Sur Disney+, on regardait ça. Speedy Hollow, je crois que c'est ça. C'est en fait. Nous, avec mon mari, on a trouvé que c'était une sorte de Buffy contre les vampires des temps modernes. Bon, il n'y a pas de vampires, quoique si, à un moment donné, il y en avait un. Mais bon, c'était pas un truc de vampire hein, spécialement. C'est une personne, en gros, je vous raconte pas toute la série, je vous raconte en gros. C'est une personne de l'époque qui se réveille à notre époque. Et en fait, il y a plein de créatures qui se réveillent, voilà, enfin, au fil des épisodes, voilà, vous avez des créatures qui se réveillent, etc. Lui, il est très, très noble, c'est une personne de l'époque, quoi. Moi, j'aime bien. Donc, c'était pas mal, hein. Franchement, je suis dégoûtée que ça soit déjà fini. Là, j'ai rangé déjà tout ce matin et repassé l'aspirateur. Mais mon fils, il m'a déjà remis des jouets partout. Bon, bref, c'est pas grave. Dehors, ça crie. Du coup, là, ben, j'ai fini. Je vais juste mettre les biscuits, les croquants dans une assiette. Je les ai laissés refroidir sur la plaque. Et puis maintenant, je vais les mettre dans une assiette. Et le cake, il faut que je le couvre aussi. Je vais le mettre dans un sac de congélation ou dans de l'alu, je vais voir. Il est froid, ça y est. Et après, bah, à 14h, une fois que les loulous seront à l'école, on ira au magasin. Donc voilà, je ne sais pas si je vais vous reprendre. Donc, je verrai bien. Recoucou, du coup on est le lendemain, on est le mercredi 13 mars. Je voulais vous montrer les petites choses que j'ai trouvées ben, du coup à la boutique de vêtements d'occasion. Ma copine elle a trouvé beaucoup beaucoup de choses, moi pas grand chose. J'ai pris 5 articles parce que j'avais que ma carte bleue et comme c'était 10 euros. Enfin, prenez la carte bleue qu'à partir de 10 euros. Mais bon, c'est des choses qui me plaisent, dont j'ai besoin. Donc voilà, c'est pas de l'argent dépensé inutilement. Mais après, il n'y avait rien d'autre qui me plaisait. Donc voilà. Alors, pour commencer, mais j'ai pas trouvé de petit short déjà pour mon loulou. Donc je suis deg. Et j'ai pas trouvé non plus de robe pour cet été pour ma fille. Je lui ai pris du coup un petit en 10 ans. Débardeur pour cet été, tout simple bleu avec les petites bretelles comme ça. Il y a le petit collant dessus. Ça c'est pour que ça s'accroche à la peau pour éviter que ça glisse. C'est de la marque Tape à l'œil. Voilà, c'est un petit débardeur tout simple, mignon comme tout. Voilà, du coup dans le dos ça fait, je sais pas trop ce que ça, ce que, ah non bah non, c'est ça, c'est pas croisé, c'est juste des petites bretelles, voilà, comme ça. Moi j'aime bien, je le trouve trop mignon. Du coup je vais enlever après les étiquettes et je mettrai à laver.
Je lui ai trouvé cette petite robe en 10 ans aussi pour la mi-saison. Elle est trop belle, j'adore. Mimi. Elle est comme ça derrière. Je ne sais pas ce que c'est comme marque. Ça doit être Kiabi, je pense. Donc, je ne vous ai pas dit le prix, mais tout était à 2 euros. Les petites manches sont comme ça avec un nœud. Et puis voilà, c'est une petite robe, quoi. Elle est trop mimi, j'adore. Ensuite, j'ai pris pour mon fils, j'ai pris juste ça pour lui, puisqu'il n'y avait rien pour lui, une chemise. Voilà, elle est quand même un petit peu épaisse. En 4 ans, de la marque. C'est quoi comme marque? Ah, c'est Orchestra. Voilà, ça c'est pour. En fait, je vais m'en servir de petit gilet mi-saison. Enfin, mi-saison, pas mi-saison. Vous savez, quand ils reprennent l'école en septembre, le matin il fait frais, et puis, mais pas complètement froid, et puis l'après-midi il fait chaud. Donc voilà. Donc ça ira très bien pour mettre par-dessus un t-shirt. Ensuite, pour ma louloute, je l'ai trouvé en 8 ans, je lui ai pris un short. Voilà, vert. Comme ça, c'est de la marque Orchestra. Il y a ça, la ceinture à l'intérieur. Donc ça, c'est cool parce que si ça lui va trop grand, au moins on peut bien l'y attacher au niveau de la taille. Ah, et le, ouais, ça va, c'est pas trop compliqué à mettre au niveau du bouton. J'avais pas fait gaffe, mais ça va. Avec des petites fleurs ici. Voilà, c'est mignon comme tout, j'adore. Il y a une fermeture, oui. Donc voilà, le petit short. Et je lui ai pris un petit haut. Ça, c'est un haut mi-saison avec des petits masques, chat, je sais pas trop ce que c'est. Les petites épaules comme ça. Là, c'est un petit peu froncé au niveau des manches. Celui-là, j'adore, il est trop beau. C'est la marque Mex. Je sais pas trop. XL. Mais c'est du 10 ans quoi, ça doit être une taille, je sais pas, une taille en XL enfant quoi, je pense, forcément. De toute façon c'est pas grand donc ça peut pas être du XL adulte. Ouais, je sais pas, bref, en tout cas je le trouve très très mignon. Il se ferme comment derrière? Oh, il se ferme pas, hein, c'est un col roulé. Voilà, enfin un col roulé, un col montant, j'adore, il est trop chou. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser, comme d'habitude, un petit commentaire, à liker et vous abonner. Je vous fais des gros gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.